Je m'appelle Nejib, je suis graphiste, dessinateur, je réalise des affiches, je conçois des bandes dessinées et aussi des livres illustrés pour la jeunesse. Quand je vais commencer à travailler sur un projet, en fait, je vais toujours partir sur des éléments très simples, vraiment avoir peu d'outils et essayer d'explorer au maximum avec une ou deux couleurs, avec un ou deux feutres, un ou deux crayons. Si j'ai beaucoup trop de choses, en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je vais m'y perdre un petit peu. Donc c'est toujours dans une ambiance un peu minimaliste comme ça que j'aime travailler. Alors j'aime bien utiliser des feuilles de format A3, c'est-à-dire pas trop grand et pas trop petit, pour être assez à l'aise au dessin. Et puis c'est généralement du papier mat qui accroche un petit peu. J'aime pas quand c'est du papier brillant et que ça glisse trop. Alors en général, au niveau des outils, je reste très simple. J'aime pas avoir plein de crayons ou plein de couleurs parce qu'en fait, quand j'ai trop de choix, ça me perturbe. Et j'aime bien partir de choses très simples, donc une couleur noire, un violet, et je vais essayer après de chercher et de faire des variations et de m'amuser juste avec un choix très très limité, parce que je trouve que ça permet justement de découvrir pas mal de choses avec peu d'outils. Mes goûts musicaux sont assez larges, hein. Ça va de la pop anglaise au rock, à de la musique électronique, mais aussi beaucoup de musique classique et de musique sacrée. La musique que j'ai choisie aujourd'hui est de la musique sacrée tibétaine. C'est une musique qui me va très bien pour me plonger dans un état un peu méditatif quand je dessine. Donc c'est une musique très planante, qui amène vraiment l'esprit à se concentrer. Et c'est vraiment celle que j'utilise le plus en ce moment.
Là, j'ai donc réalisé une série de dessins avec cette musique en partant du principe de partir sur une main à chaque fois et puis de me laisser un peu porter sur une idée pour la relier à un geste, à une notion ou à un symbole ou même quelque chose que je ne peux pas vraiment définir. À partir de ça, ça peut me donner une idée de livre, d'affiche, ou juste rester comme ça en l'état, pour simplement le plaisir de dessiner et de voir émerger des images.